Mais coup d'arrêt, dit Elliott, après la victoire en Ligue des Champions cette semaine. Est-ce que c'est inquiétant pour Paris ou compréhensible? Non, ça peut se comprendre. Après, c'est vrai qu'ils ont été conditionnés par l'idée que cette saison, c'était un collectif et qu'avec ce collectif, ils allaient tout régler. Mais c'est une équipe qui est un peu inexpérimentée, qui a des réglages à faire, je pense, en défense, avec l'arrivée de Pacho, avec Beraldo qui est pas au top sur ce côté gauche. Il n'y a que Marquinhos qui est vraiment un point, on va dire, de référence. Et puis un milieu de terrain qui n'est pas très athlétique. Et ensuite, offensivement, un Barcola. Maintenant, on a lu son style de jeu et c'est plus difficile pour lui de faire la différence par son dribble. Et donc, offensivement, c'est plus compliqué aussi pour le Paris Saint-Germain. On a vu Désiré Doué aussi dans un rôle un peu de 9,5, une expression que vous adorez. Oui, ou une équipe sans avancement. Voilà, excitez-le-moi. C'est pas lui rendre service à Désiré Doué pour sa première titularisation. Après, Luis Enrique, on sait qu'il aime bien interchanger, il aime bien mettre des joueurs dans toutes les positions, ses attaquants particulièrement dans toutes les positions possibles. Bon, j'aime pas le 9,5, j'aime pas l'idée d'avoir une équipe sans avant-centre, je trouve que c'est plus efficace avec un avant-centre. Voilà, il y a des blessés au Paris Saint-Germain, Luis Enrique s'est adapté, Asensio a joué ce rôle-là, c'est pas vraiment un vrai avant-centre, il y a que Ramos qui a vraiment cette qualité-là. Il y a un joueur qui est en feu depuis le début de la saison et c'est Ousmane Dembélé, hier auteur de son 4e but face à Reims. Donc regardez un petit peu en haut de votre écran. À sa place favorite d'ailier droit, il y a le ballon qui va l'opposer vers João Neves. Le Portugais centre et admirez la vitesse de déplacement de Dembélé. En un quart de seconde, il prend le meilleur sur Sergio Hakimi et permet donc au PSG d'égaliser. Bichente, ce Dembélé-là, est-il indispensable pour le PSG? Il est là, le numéro 9. Exactement. Oui, alors après, il restera toujours perfectible sur le plan de l'efficacité devant le but. Mais quand tu l'as dans le dos, comme là, c'est très compliqué et que tu ne le vois pas, sa capacité d'accélération est terrible. Là où il est excellent, c'est sur le dribble. C'est bien cette saison qu'il soit un peu meilleur sur la finition, qu'il ait progressé là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu l'as dans le dos, c'est très, très compliqué pour le défenseur. Est-ce que l'effectif du PSG est léger pour remporter la Ligue des Champions? Cela, toi, est bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionnés par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne Stéphane Patch. Alors, est-ce que l'effectif du PSG est léger? Le PSG a fait deux matchs très poussifs, notamment contre Reims, un but partout. Et beaucoup de personnes commencent déjà à remettre en question l'effectif du PSG. Déjà les gars, lorsqu'on veut faire une analyse profonde, on commence par la charnière centrale. La charnière centrale, Beraldo Marquinhos. Est-ce qu'au très très niveau, ça va tenir? Est-ce que Donnarumma dans les grands matchs, est-ce que ça va tenir? Le seul poste ou bien le seul secteur, à mon avis, qui est vraiment satisfaisant, c'est le milieu. Lorsque tu as un milieu, João Neves, Vitinha et Fabien Ruiz, ça n'a rien à envier à Manchester City ou Bayern Munich ou encore Real. Ça n'a rien à envier à ce club-là. Ça n'a absolument rien à envier à ce club-là. Puisque au milieu, le PSG est très bien gagné, très très bien gagné. En attaque, Barcola, Ousmane Dembélé et Marco Asensio, ou alors Gonçalo Ramos lorsqu'il va revenir. Est-ce que vous pensez vraiment que ça peut titiller Manchester City? Ça peut titiller le Bayern Munich? Ça peut titiller Arsenal? Moi, je ne pense pas. Pour moi, c'est trop léger. C'est trop léger. Barcola, c'est un jeune très prometteur. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités, mais à mon avis, ça va pêcher lorsqu'on va atteindre le Graal du Graal, lorsqu'on va atteindre les quarts de finale, demi-finale. Pour moi, c'est léger. Et en plus, le banc du PSG, je m'interroge. Le PSG n'a pas un banc riche. Si Barcola se blesse là, on va mettre qui? Dites-le-moi. Si Barcola se blesse là, maintenant, on va mettre qui? C'est très compliqué. Si Ousmane Dembélé se blesse, on va mettre qui? On va mettre Kolo Mané? On va mettre qui, les gars? Kolo Mané? Lingkangé?
c'est encore pour moi un cran de sou. C'est un cran de sou. Donc, déjà, que même les titulaires n'ont pas bien le niveau, au très très haut niveau, combien de fois les remplaçants? Combien de fois? Je ne parle même pas de Marco Asensio. Marco Asensio, c'est un très bon joueur, mais est-ce que son poste de faux neuf là, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir? Même si contre le Ramos revient même, est-ce que ça va tenir? Donc, ce PSG-là, les gars, moi, je pense que c'est un effectif trop, trop léger. Il joue très, trop nouveau. Moi, je ne le vois pas rivaliser avec les gros de cocktail que le Bayern Munich, le Real ou encore Manchester City. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à ce PSG-là. Est-ce que tu estimes qu'ils ont les qualités pour remporter la LDC? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.